Bon, faut quand même préciser que la decklist que tu joues n'est pas tout à fait la même que celle que j'ai présentée en vidéo samedi. Non, pas du tout. On a fait des tests, on a changé des trucs. Ouais, il y a des petites cartes qui ont changé. Et c'est donc un 6 pour Rcust. C'est la moyenne. 6, ok. Ouais, c'est un 7. Il est sorti, mais c'est un 7. Il était un peu trop puissant. Donc c'est Kigo 2, du coup. Hop, on va essayer de montrer un peu la main. J'espère qu'on verra que ça. Ouais, parce que toi c'était bon. Je vais juste essayer de remontrer moi. Je sais pas si c'était bien visible. Bon, là ça a l'air d'être bon. Ok, je vais commencer en main phase. Ouais. Ah, il vous rencontre ? Ouais, ça passe. Je vais réveiller le phénix de feu. Ok, on va chercher la chichi. Norme, effet. Interne. Oh, ouais, il me perd. J'aurais dû attendre pour enfin. Mais vas-y, ça passe. Enfin, vas-y. Effet enfant. Ouais. Après, il me perd, ça fait quand même très mal, là. Ça dépend du résultat. Hein. Mais c'est vrai que je pense que c'est plus intéressant d'y me perdre enfant, en fait, à la réflexion. Oui. Parce que là, dans tous les cas, si tu as un Picari en main, bah du coup, tu fais effet, se fait Picari, va chercher la reborn et t'as tout. Ou va chercher, parce que t'as déjà fait Mewtwo, mais si t'avais pas fait Mewtwo, va chercher Mewtwo et va chercher O par exemple. Ouais. Enfin voilà, t'as plein de plays qui sont envisageables, quoi. Exactement, tandis que là, un peu plus compliqué quand même. Mais je pense que de toute façon, c'est un deck qui meurt sur une N-trap potentiellement, deux N-trap sur. Ouais, enfin, deux N-trap quand t'as vraiment une mauvaise main comme c'est. Deux N-trap sur une mauvaise main, ouais. Soit une entrap, Gamma fait très mal. Ah oui, Gamma, c'est. Mais Gamma, c'est notre réflexion à la base pour les signaler les parties terres, c'est une fois un truc pour gérer Gamma. Quoi. Gamma de rôle, c'est un enfer. Ouais. Qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Je sais vraiment pas. Hein. Hop. Je pense que je vais vraiment faire une fin de tour là-dessus. Ok, ça marche. Draw face. Je vais quand même prendre mes 2300. Oui, évidemment. Donc, duo burn de... Demi-tue, oui. Demi-tue. Normal Raptor, effet Raptor. Effet Raptor. Donc, sacrifier. Ouais, vas-y, ça passe. Chercher un scrap ou le terrain. Là, en l'occurrence, je cherche le terrain. Et il me donne une deuxième reborn. Une deuxième normale. Je vais normal scrap, effet scrap pour Foolish. Ouais. On va Rosenix. Effet Rosenix, je crée un token. Yes. Hop. Tac. J'utilise les deux. Je fais ma Wivre. Ouais. J'active mon terrain. Ok. Effet Wivre. Je peux rebound 1 et péter 1. Ça me va. Rebound, péter. Et du coup, je peux spé 1 du deck. Ouais. Tac. Effet d'usine, vu qu'il y a une carte qui a été détruite sur le terrain. Non, c'est juste après, pardon. Je dois du coup péter 1, donc je vais péter Vivre. Effet, je peux spé 1. Effet golem. Ouais. Recycleur, effet recycleur. Vas-y. L'ANCA. Baguette plutôt. Baguette, oui, pardon. Effet baguette dans ma main, vu que j'en ai une qui touche le cimetière, je peux siper celle de ma main. Je vais faire scrap et baguette. Non. Golem et baguette pour faire lib. Effet lib pour aller chercher la magie riband. Ouais, la 7. La 7, ouais. Un Apollosa tout de suite. Apollosa 3, du coup. Effet de la rebound. Tu peux pas. Il te faut un World Legacy. Non, c'est effet de lib. Tu peux activer la carte que quand. On a eu le commentaire dans une vidéo. Alors. Il me semble, hein, avoir vu ce commentaire passer. Que si vous avez.
Tant que vous avez aucun monstre héritage du monde dans le cimetière, bah du coup c'est. Ah, attends. Durant votre main phase, vous pouvez poser une carte directement du deck, mais il ne peut être activité. Ah, il ne peut pas être activé ce tour tant que j'ai aucun monstre War Legacy dans le cimetière. D'accord, non, c'est mais tout, du coup j'ai une baguette, je te laisse, ouais, je te laisse lire, mais je vois que j'ai mal aucune contrainte. Hein. Je sais qu'il y avait un commentaire du style que tu pouvais pas activer la reborn parce que, mais Là je vois pas de contrainte particulière en tout cas. Et puis votre deck, mais il ne peut pas être activé c'est tout tant que vous n'avez aucun monstre. Et du coup j'ai mes baguettes au cimetière. Non, vas-y, c'est bon. Du coup j'ai mal retenu le commentaire. Ok, ça marche. Effet reborn golem, effet golem, enfin effet reborn golem, effet golem recycleur, effet recycleur pour envoyer du deck au cimetière. Chevalier. C'est un effet chevalier. Envoyer 5 balles. Effet baguette pour ramener chevalier. Ouais. Ça et ça. Enfin une Galatea. Effet Galatea ramène baguette. De toute façon j'ai plus trop peur de Nibiru. Si, ramène baguette et 7. Mon deuxième terrain du coup. Ma Babel. Cuisine au cimetière. Tac, je l'active. J'ai pas encore l'étal. Parce que là j'ai du coup 2004, 8 et 8, 16, 2004, plus 1800, mais qui va passer sur un Dingirsu. Comment je m'en sors? Effet Nessie, Discard Nessie, P1. Ouais. Ouais, c'est bon. Access code. Effet access code. Ouais. Tu targetes Nib sur enfant. Ok. T'as pas déclaré le buff d'attaque. J'ai pas déclaré le buff d'attaque. C'est un misplay de ma part. C'est très dommage parce que du coup ça fait que j'ai pas le létal. Tant pis pour moi. Effet 100 balles pour amener Galatea. Ouais. J'utilise Galatea, je fais un Dingirsu, effet Dingirsu. Yes. Battle, du coup. Fin de main phase. Ouais. Bah, je vais annuler avec Bolusa. Ouais. Du coup, 1006, plus 2003, plus 2006, ça fait 4009, 4009, 5009. 2300 et. 2600. Oh, il est là. Non, je pense pas. J'ai pris 2003. Ah, mais t'avais déjà le burn. Ah, bah y'a l'étal. Ma main était horrible, si... c'était double Nib. Ok. Danemarie. Et ton Nibiru est arrivé trop tard. Hein, non, je sais, j'ai pas claqué avant, j'ai complètement zappé la boue, ça, tu vois. Là, du coup, dans tous les cas, ce que j'aurais fait, c'est 200. Ouais, clairement, il avait attaqué, ça me permettait de tempo un tour, c'était gratuit. Ouais. Pas forcément envie d'avoir genre deux Raptor Stack. Même si avoir Raptor Recycleur en main de départ, c'est très cool. Hein. Du coup, ça me permet d'aller chercher le terrain qui fait un card advantage qui est pas négligeable. Tiens, je te laisse regarder, de toute façon, tu vas prendre la main. Ouais, je prends la main. Tiens, je te laisse couper. Hop. Avec la lumière, je pense qu'on voit mal maintenant. C'est ça, en plus. Je vais commencer par prospérité. Ouh, ouais. Ça fait partie des ajouts qu'on a mis dans le deck depuis le deck profile. On me fait un petit peu la consistance, c'est toujours gratuit. Et surtout, c'est fort, hein. Ouais, franchement. C'est une bêta H, c'est vraiment. Tiens, si tu peux montrer, je vais pas regarder, mais montrer ce que tu bannis. Ça permettra à ceux qui sont intéressés par le gameplay d'Atchinister de comprendre un petit peu les choix. Alors globalement, en go premier, je vais bannir ça. Je vais le 3, ça passe? Ouais, c'est bon. Oh, deux tutos, en vrai, c'est fort. Hein. C'est pas mal du tout.
Donc là, en gros, moi, en tant que joueur, voilà, je sais que s'il prend Mewtwo, c'est qu'il l'a pas déjà en main. Alors que sinon, s'il avait pris Sagnet, c'est que tu avais déjà Mewtwo. Voilà. Ou un Picari. Et que tu avais déjà la Reborn. Du deck. Du coup, je vais norme. Ok. Picari, effet. Ouais. Enfin, Titi plutôt, plutôt Picari. Ouais. Je crois que t'as dit Picari juste avant et ça m'a. Ouais, bah oui, parce que j'ai pensé tuto au terrain, quoi. Enfin, tuto yes. Magique, quoi. Link 1. Ouais. Enfant, il fait enfant. Il me perd. Il me perd. Je réfléchis. Fait. Je vais faire un Mewtwo. Ouais. T'as éventuellement O qui peut se spé. Oui, oui, je sais. Tu dois d'abord révéler ton extra deck. Je vais révéler bah, le Tchakoder, nouvel ajout pour tuto le O. Ouais, pour le O. Le O qui lui-même tuto le terre qui rend insensible. Donc c'est ça. Vraiment très très fort. Fais le haut. Ouais. Bon, j'ai aperçu ta main, du coup, ouais. Je sais que t'as un play qui est jouable. Ouais, je sais. Faites pas ça en double sécure. Si vous le voyez, le dites surtout pas. C'est ça. je vais. Regarde mes cartes. J'ai un petit doute. La question c'est. Ah, tu as peur de jouer autour d'une deuxième entrap, c'est ça? Non, c'est que j'ai un petit peu de mal à voir le play là, je manque de. Alors là, de ce que j'ai aperçu de ta main, j'ai vu que tu avais un mining. Ouais. Du coup, moi, ce que je ferais, je sais que tu as un Picari parce que tu l'as tuto. Je ferais mining, discard, Picari. C'est ce que je tuto, pensais. Tuto, peu importe. Mais... Ouais. Bah, du coup, soit tu te débrouilles pour avoir. Soit t'as... je connais pas le résultat, donc une autre spé. Soit du coup, tu fais juste un match flash, reborn Picari, va chercher le terrain et tu relances toute ta loupe. Je peux pas. Match flash annule l'effet. Match splash annule l'effet. Ah oui, eh oui, donc du coup ça pose problème. Exactement, c'est ça mon gros problème, c'est que j'ai rien pour trigger mon Picari qui t'en main. Et est-ce que tu aurais un moyen de. Il rebande que des links le transcode Ouais, il y a un 2 au moins. Ok, ça marche, c'est dommage. Il y a un 3 au moins, il me semble. Ouais, bah forcément que ce soit un link quoi. Yes. Max c'est link 3. Donc. La solution, ça serait d'arriver à table. Je vais activer effet. Ouais, effet pour trigger, pour tribut. Ouais, ça marche. Tuto. Ouais. C'est qu'il peut tuto n'importe quel monstre lui. Ouais, mais plus de niveau 5. Oui. Donc, en gros, il va chercher juste Gachiri. Ah, Ixid aussi. Oui, si c'est pas un Ignister, c'est. Ah, ajouter un monstre Atinister de niveau 5. Ouais, il y a Atinister, c'est bien ça. C'est ce que je demandais, du coup, j'avais un doute. Ouais. Non, t'as raison. T'as raison, mais c'est Gachiri. Enfin, c'est pour ça qu'on joue la carte d'ailleurs. Gachiri, oui, complètement débile, qui se spé en annulant le fait d'un monstre, mais c'est très fort. Ouais. Et ensuite, qui rend insensible un monstre qui a été utilisé du comme coup, matériel lien. Je vais faire quand même mon play. Ouais, c'est que là, du coup, la deuxième norme de répartita m'aurait vraiment fait du bien. Ben ouais. Mining, on va discard Picari. Ok, je pense que c'est un bon play. Ouais. J'ai fait du tout pour le cercle une fois par tour. Oui. Bon, l'avantage de ce BO3, bon, du coup, je pense que vu que ça sera sûrement des matchs assez rapides, on pourra jouer après. Enfin, on pourra en refaire une après, mais je trouve que c'est intéressant de montrer aussi que bah, le deck est très fort en soi, parce qu'il est vraiment très consistant. Ouais. Mais malheureusement, sur une entrap bien placée, si t'as pas une main qui va avec, et pourtant t'avais pas des mauvaises mains, ouais. Bah, tu te retrouves vite un petit peu bloqué. Quoi. En fait, c'est dès que tu me bloques, maintenant, pour mon accès de terrain. Hein. Après, c'est le genre de deck qui seront très forts lorsqu'on aura Crossout. Quoi.
Ouais, typiquement, c'est le genre de deck qui peut permettre d'avoir jusqu'à 15 free spots, je crois qu'on a. Ah oui, clairement, jusqu'à 15 free spots, on est en reste consistant. 15 free spots, tu mets 3 crossroads, ça fait plus que 12 places, tu mets 2-2-2-2. Bah, 2-2-2 de toutes les cartes relou, quoi. Voilà. Je me demande là si le play. T'as moyen de spé quelque chose sous. Non, j'ai rien, justement, j'ai rien. C'est ça mon problème. Je vais faire l'effet Gatchery. Ouais. Je peux essayer de faire un lien 2. Non, je pense que juste je vais rester avec mes deux monstres. Ok. Et dire une fin de tour parce que là. Ok, ça marche. Ouais. Repasse. Ouais. Bon, j'ai pas une excellente main non plus. Facilité. Ça passe. Et je vais chercher du coup le petit Gilosaure. Résolution. Ouais. Roll and lock. Yes. Ah, ça change mes plaies, hein. Ça change grandement mes plaies. Hein. Je vais spé Gilosaure. Yes. Tu peux reborn un de ton cimetière. Et t'as l'effet. Merci beaucoup. Ouais, bah ouais, je sais bien. Et bande Picari. Picari effet. Ouais, je vais chain droplet. Ouais. Discard chevalier. Sympa. Et tu vas comprendre pourquoi ton drôle me fait extrêmement mal. Normal Raptor. Ah oui, forcément, t'as du tout le Gilosaure, le fait que t'es un Raptor à main. Bah ouais. Ouais, parce que là, du coup, Raptor n'a aucun intérêt. Effet chevalier. Si j'avais pris H en chevalier, j'étais vraiment pas bien. Baguette. Effet baguette pour ramener le chevalier. Chevalier Raptor. Mm-hmm. Galatea. Effet Galatea. Ramène ouais. Baguette. Chercher terrain. Oui, est-ce qu'il est monté ? Il est là. Donc je le pose. Et je là, je suis plutôt confiant entre mes 3 monstres en défense plus ton des drôles que t'as pris. Ouais, moi ouais, le drôle fait très très mal. Hein. Ouais. On va pas se mentir. Une Garfou va send. Tu sais que j'aurais pu faire revivre, mais ça aurait pas été foufou comme play. J'y ai pensé. Je me suis dit, est-ce que je fais ça ? Est-ce que. Mais non, c'était pas très très intéressant comme play. Je suis lock en dark. Ouais. Eh bien, on va faire un Dingersou. Effet Dingersou envoie Picario au cimetière. Battle, du coup. Yes. 2006 sur. Lui, il a 3000, hein, c'est ça ? 3000, ouais. 2006 sur ça. Main phase 2. Ouais. On va partir sur un Zeus. Zeus, je rajoute du matériel, je sais plus comment ça se passe. Non, tu l'invoques par-dessus, c'est tout. Voilà, j'invoque. Oui, c'est ça, j'invoque juste par-dessus. Et si jamais une carte est détruite sur ton terrain, tu peux ajouter un matériel, là oui, mais... Ok, ça marche. Et ben Zeus, 7-1, et fin de tour. T'as coupé mon deck ? J'ai pas coupé ton deck, bien vu. Je pioche ? Ouais. Je vais activer prospérité. Ah, ok, je vais juste répondre avec chevalier. Ouais. Faut que je paye combien de matériel sur Zeus ? C'est 2 déjà. 2. Ouais. Chevalier envoie. Ah, si, chevalier envoie Gizmec. Ok. Deux prospérités de suite là ? Ah, tu commences vraiment à faire. C'est mon top deck en plus. Hein. Je vais peut-être la troisième, je vais venir ça, je pense. Qu'est-ce que tu as pu 7 ? Dans le pire des cas, tu as fait un drôle. Un drôle ? Enfin, un drôle, une tempête. Ça peut être une imperme, hein ? Ça peut aussi être une imperme, mais. Une droplette aussi, il faut que je prenne en compte ça. Mmh.
Moi, je dirais terrain. Hein. Ça dépend de ta main. Ça dépend vraiment de ta main, mais... Prends Nyxil. Ok. T'as pas peur. Ah, t'as pas peur. Que pas peur, je dirais que... Ouais, tu fais au mieux, quoi. La deuxième carte que j'avais en main, j'avais... J'avais Drôle et ta colère. Je peux pas répondre par défaut. Je sais bien, ouais, ça me fait grave chier. Bah, ça passe, hein. Norme. Ouais. Effet. Ouais, droplette. Yes. Tu es sacrifié avec ton monstre. Ouais, ça annule juste ton effet. Hein. Il est pas détruit, quoi que ce soit. Oui, tu peux aller chercher ton terrain. Là, globalement, t'es bien. Hein. Ouais. Bon, je vais pas prendre l'étal, du coup. Non, tu rends pas de dégâts. Donc, Mais tu risques de poser ta lien 6 et ça, c'est vraiment complexe. Mmh. Sans là, je fais. Bah, lien 1. C'est l'inconnu, celle que tu as dans ta main ? C'est Yxil, tu le connais. Ah oui, je connais, voilà, c'est ça. En vrai, lien 1, into lien 2, into spXil, tuto bururu. Attends, je réfléchis. Lien 1, into lien 2, ouais. Bah, lien 1 pour tuto terrain. Yes. Et du coup, après, bah, tu fais ta Yxil. Avec Yxil, tu peux faire Mash Splash, Reborn, peu importe, mm-hmm. Templar, Spé Bururu. Mmh. Et du coup, bah, t'as assez de body au cimetière pour effet tuto terrain. Ouais, de toute façon, mon Zeus il est useless. Oui, il pourra même pas se rajouter un matériel. Donc... Bah, voilà, c'est ça. C'est que là, il a juste 3000 et il sert à rien. Il y a un 2 wicked. Ouais, qui peut pas être détruit dans tous les cas. Donc, même si j'avais fait Zeus, Zeus ne détruit pas. Ah oui, Zeus ne détruit pas. Ok. Par contre, ouais, c'est vrai, il fait Gachiri pour ouais. Le week-end. Dans tous les cas, là, il était insensible. Yes. Du coup, il fait parler Alexis dans main. Ouais. Et du coup, c'est pas l'autre. Il fait Chinook de Wicked. Ouais. Là, tu préfères. Si, bon, là, j'ai plus rien, mais t'aurais. Ouais, non, je sais vraiment que t'as d'accord, plus rien. D'accord, ouais. Tu le fais dans l'ordre ou pour. Parce que j'ai plus rien. Ouais. Ok. Et là, tu te bleu. Ouais. Je fais oublier lui. Tuto vert là. Vert qui envoie la negate au cimetière qui est vraiment très très forte. Extrêmement forte. Bon, t'as l'air de l'avoir en main, t'es beaucoup moins forte. Ah mais... oui, bah en main elle sert à rien. On peut aller la chercher de toute façon. Là, deux monstres, c'est le splash. Ouais. Effet splash, je reborn 1. Peu importe du coup. Exactement, peu importe. De toute façon, son effet sera annulé. Oui. Bon, c'est juste un body hein, pour ouais. Faire un templar quoi. Des tribus différents, non, c'est ouais, des noms différents. Des noms différents, mais tu. Ouais, moi j'essaie quand même de faire attribut au cas où, si jamais je ouais. Prends une interrupte, que je puisse faire la lien si jamais je suis bien. Quoi. Terrain, effet terrain, spé, effet foolish. Ouais. Le Danemarie. Yes. Oublie un truc. C'est que t'avais déjà fait un enfant ? J'avais déjà fait un enfant. Et ben du coup, tu es obligé de faire un Lingo Ribo ? Yes. Et du coup, tu peux spé que deux ? Je peux spé que deux et fait un plat. Mm. Mm. Bah, du coup, obligatoirement Bourou. Obligatoirement Bourou. Non, t'as forcément pas la 5, je crois. Peux... Ah ouais, donc tu veux juste mettre ton gros body à lien 6 ? Je pense que je vais juste faire la lien 6. 4, 5, 6, coup, ouais, ça passe. Les effets sont annulés. Et juste, est-ce que ça serait pas intéressant de faire un Pégase du coup ? Parce que du coup. Ça pourrait être intéressant si j'avais pas banni mes deux synchros en fait. Ah ok, t'as déjà banni tes deux synchros. Ouais, je me suis dit ça me sera pas utile. Ok, ça marche. Mais oui, du coup, t'as pas le choix. Parce que sinon, ouais. Ça aurait été intéressant de faire le Pégase, qui est intéressant dans le cimetière. Et du coup, ouais, et avec fait, la Reborn de Bourou. Je vais pouvoir faire ma Link 6 parce que j'ai deux Dark. Et ça, c'est chiant. Ah oui. Du coup. Non, c'est bon, je peux la faire, mais. Elle sera pas. Elle aura 3000 quoi. Ouais. Tu rebondes pas un deuxième ? Si, je réfléchis. Deuxième, je rebonde. Oh. Yali. Transcode. Ah, ok, ça marche. Effet transcode. Ouais. Bah, je flash.
Pas n'importe quel lien. Ouais, ouais, juste une. Bah non, pas d'arc. C'est pour ça que j'ai pensé à Mage Splash. C'est pour la lien 6, on est d'accord? Non. Ok. Ah, t'as un access code. Exactement, access code, et c'est access code, target transcode. Ouais. Et c'est access code. Rappelle-toi qu'on est Dark Souls Dark Polar. Ouais. Donc tu pètes. Access code. Non, bah, vu que j'ai pas besoin de le péter. Si, si, je vais faire access code pour péter ton terrain. Terrain, d'accord, ça marche. Je vais. Templar, c'est uniquement quand il pète une carte. Hein. Ouais, c'est détruit une carte. Je passe en battle, t'as pas avec access code. Ouais. Et fin de tour. Drop phase. Est-ce que j'ai rêvé? J'ai juste un truc avec Mewtwo, non. Non, t'as pas Tito, donc tu t'es pas burn. Tu t'es juste burn au premier tour, je crois. C'est ça. Mon access code a 3000 de plus. Je vais ban pour respect Gizmec. Ouais. C'est ban 8, hein, c'est ça? Depuis le main deck. Oui, pardon, mais extra deck c'est pour péter, mais c'est pas le même tour où il a été reborn. J'ai banni mes 3 H, voilà. Ah ça va, c'est une carte morte que tu ne piocheras pas. CP en défense, ouais, ouais, mais bon. Et bah fin de tour, hein. Oui, je pioche. Ah ouais, j'ai pas pioché une très bonne carte. Hein. De toute façon, là, effet access code et tape. Hein. Effet access code et tape, j'ai quoi? Ah mais non, faut juste que t'aies un body supplémentaire. Bah écoute, ouais, non, bah ouais. Je vais juste aller recycler. Est-ce que... Mais combien ton effet access code? Ouais, tu le pètes. Bunny Wicked pour le péter, battle. Bah du coup, effet Gizmec. Ouais. Tu le déclares en battle, c'est ça ton effet? Bah je le déclare fin de main phase, peu importe. Ok, on est retour en main phase alors? On est en retour en main phase si tu veux. Effet? Ouais. Access code pour péter? Oui, c'est vrai. Du coup, t'as l'étal là, 5003 plus 2003, ça fait 7003, 7006. Ah, bah t'as l'étoile pile poil, du coup. Ouais. Didier, suivante. En tout cas, le deck Ignister est vraiment fun à jouer. Hein. Ouais, fun et franchement, il est très consistant. Hein. Ouais. C'est un deck qui est vraiment fort. Je pense qu'il n'y a pas encore les decklists les plus optiques qui ont. Bah non, faut voir Virtual World, hein. Il suffit qu'un mec top avec. Et... Exactement, faut juste que les gens. Se rendent compte. Tu prends la main, je suppose. Je prends la main, tout à fait. Je vais faire Fossil Dig. Fossil Dig, ça passe. Du coup, juste histoire de gagner du temps, je vais faire Fossil Dig. Tranquille, tranquille. Et la résolution, drôle. Non, c'est bon. Cette fois. Du coup, j'espère mon Kilosaur. Je te propose de rebound. Ouais, mais j'apprécie l'attention. J'entends bien. Normal Gizmec. D'ailleurs, j'ai une question pour tout à l'heure, mais l'effet de Riband, c'est n'importe quel level. Hein. Ouais, je crois pas qu'il y ait de level particulier. Okay, ouais. Effet Raptor. Ouais. Bon tuto. Ouais, ça passe. Je pensais H, mais. Ouais. H. Ouais. C'est vrai que Raptor, c'est un petit peu nouveau, donc on sait pas encore à quel point c'est efficace. Quand même. Est-ce que du coup ça annule l'effet complètement? Parce que là, du ça coup, annule l'effet complètement. Hein. Même l'effet de deuxième normal. Si détruisez durant votre main phase de tour, vous invoquez normalement un monstre ferraille en plus. Ah, c'est qu'un monstre ferraille. Ouais. Ah. Alors déjà, pour les silences que vous contrôlez, détruisez-le aussi durant votre main phase de tour pour invoquer normalement. Donc ça l'annule pas. Oui. C'est juste un body en moins sur le terrain. Voilà. Quoi. Ouais, du coup, si c'est grave, il est détruit par l'effet d'une carte ferraille. Alors, j'annule l'effet de tuto, par contre, tu pourras faire une deuxième norme d'un monstre ferraille. D'un monstre ferraille, ouais, c'est ça. Parce que c'est bien, tu dois le détruire, et ensuite, vu qu'il est détruit, tu tuto. Ouais. Exact. 7-1, fin de tour. Ah oui. Ah bah oui, c'était. Deux fissiles digues, c'est bien, mais dans certaines mains, c'est pas ouf. Hein. Bon. Je vais Normatichi et faire son effet. Ouais, je vais H. Pas mal. Enfant. Ouais. Effet. Ouais. Pas de gouttelette. Pas de droplette, malheureusement.
fait, ce qui est abusé avec Atinister, c'est le card advantage. Il fait un CA, mais tellement hallucinant. Ah oui, oui, mais bon, ça part tout d'une carte en fait. C'est du one card combo, clairement. En fait, que ça soit Achichi, Mikyu, même Pikari au final. T'as terre en main ? Non, j'ai pas terre en main. Non, j'ai dû le taper parce que je suis un aveugle. Je vais call Judge. Tu joues à 39. Non, je joue pas à 39, t'inquiète pas. Dommage. Mais du coup, ouais, le deck est fort parce qu'il fait du card advantage. Il fait. Il fait quand même du one card combo avec je ne sais pas combien de cartes du deck. Enfin, c'est vraiment très fort quoi. Effet. Non, pas l'effet de terrain. Je vais juste activer. Activer mining. Ouais. Il est cadeau bleu. Ouais. Et t'as vraiment jamais envie de l'avoir en main. C'est un one-off, mais t'as pas envie de l'avoir en main. C'est une tuto gratuite. C'est ça, c'est qu'elle elle est dans la loupe principale en fait. Ouais. Après, du coup, j'ai pas à faire le wicked pour. Oui, par contre, oui. Mais bon, c'est quand même moins fort. Effet terrain. Ouais, du coup, ouais. Pikari, effet Pikari pour tuto. Ouais. Pikari est vraiment extrêmement fort lui aussi. Bah, Achichi Pikari, c'est secret, c'est pas pour rien. Clairement, les cartes elles font tout. Reborn. La reborn. Donc, si t'as la reborn, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que t'aies Mikyu en main. Et exactement. Où, voilà. C'est, et où t'es dans une situation où t'as assez d'extend pour. Réveiller les Templars. Pour aller chercher Doyon. L'avantage de Templar, c'est que je me burnerai pas. Ouais. J'ai vraiment hâte que le Decode Talker Itful sorte. Ouais. Comme ça, on pourra révéler gratuitement, piocher deux en fait, techniquement. Et pas être burn. Non, Itful, il burn pas. Enfin, tu te burnes toi, oui. Oui, mais sauf si tu le. Oui, si, mais... tu, si tu la révèles spé, tu te burneras pas. Oui, oui, genre, non, on accédera pas... plus facilement au niveau. Itful, en fait, c'est un. Pour ceux qui connaissent pas les cartes en OCG, c'est un Decode Talker, enfin, un codeur bavard. Qui pointe comme le codeur bavard classique. Je vais faire un lien 2. Ouais. Et son effet, c'est un effet rapide qui dit que tu peux payer 1000 et piocher une carte. Ouais. Donc techniquement, tu payes 1000 pendant ton tour, tu pioches une carte, tu payes 1000 pendant ton adversaire et tu pioches une autre carte. Ouais, c'est fort. Hein. Et dans tous les cas, même juste si c'est un passage lien 3, c'est une carte supplémentaire. Le deck, comme on le disait tout à l'heure, joue 12 à 15 free spots. Bah, 1000 pour une entrap supplémentaire, c'est quand même pas dégueulasse. Quoi. Effet Island. Ouais. Pédoyon, effet Doyon. Ouais. Récupérer Achichi. Ah, t'aurais pu récupérer Bourouro aussi. Moi, je veux juste le Ribbon Bourouro. Ok, ça marche. Effet Mage Splash. Ouais. Du coup, Templar. Yes. Ouais, c'est bon. Là, je me bande plus. Ouais. Effet Doyon. Ouais, bien vu. Pour récupérer ma magie, j'avais pas mieux fait. Ouais. Song Doyon, c'est un misplay que j'ai fait à l'extravaganza. Ouais. C'est uniquement s'il est utilisé comme matériel lien. Oui. Mais moi j'ai. T'as fait une synchro avec. Voilà, j'ai fait une synchro avec et j'ai voulu recycler. C'était vraiment pas mal. Alors surtout que j'avais un Pikari sur le terrain. Hein. Je sais pas, dans ma tête c'était ok. Effet Island. Ouais. Alors pour ceux qui se posent la question, c'est qu'il a effectivement norme, il aura pas d'effet, mais vu qu'il a norme, il peut le spé. C'est ça, Island est un terrain extrêmement fort parce que son effet est à une fois par attribut. Ouais, par attribut. Donc si tu la norme, c'est intéressant de le recycler avec Doyon parce que du coup tu pourras le respé. C'est le principal intérêt de la recycler de Doyon. Hein. Doyon reste très très fort dans tous les cas. Oui. C'est une carte de recyclage vraiment très forte. Elle recycle 2 à elle toute seule et en plus elle se spé. Enfin, je veux dire, elle se spé grâce à terrain, mais. Exactement. C'est vraiment très fort quoi. Du coup, je vais faire ma deuxième lien 1. Ouais. Deuxième lien très intéressante. Pour le deck, tout simplement parce que ça déclare l'effet de mon Templar, donc je vais pouvoir respé sur les zones pointées. Ouais. Et effet de mon lien 1, je vais pouvoir le déplacer d'un cran vers la gauche, donc vers là où il pointe. Ce qui ne marche pas si je l'invoque dans la deuxième zone. Et tu peux également changer son attribut. Exactement, ça, c'est très fort. Pour ne pas avoir de problème, je vais déclarer divin, parce que c'est un attribut parfaitement légal. Et je n'aurai pas d'attribut en double vu que je ne joue pas divin dans le main deck. Ouais. Je vais donc reborn Doyon, Pikari, et Bourou. Et du coup, je vais pas pouvoir foulish mon bouloulou. C'est pas. On va pas foulish. Ouais, t'auras pas d'Anne-Marie au cimetière. Yeah. C'est pas la fin du monde. Non, clairement, ça va. Hein. Je fais. Vas-y. Ça change quelque chose? Pour moi, oui.
Ah oui, le dark pour faire le... C'est ça. Faut que je réfléchisse à comment je te mets l'étal là. Ah, tu veux mettre l'étal? Je peux avoir l'étal. Il a combien ton Gilavor? Il a 400, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Tu gardes ta lien 1 et ta l'étal. Et du coup, si dans l'optique c'est de faire l'étal, go faire match splash, into machin, into match splash, je l'ai déjà fait. Update jammer, pardon. Par contre, là, je vais vraiment pas me priver de faire le jammer. Si je le trouve, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je trouve plus rien. Tu les as bannis tout à l'heure? T'as pas résolu de. Non, j'ai pas résolu de. Ah, il est caché derrière le Pégase. Ok, ça marche. La link est inaffectée par les effets de carte, donc non, c'est pas intéressant. Je pense replay là parce que c'était pas très. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Moi, je pense que go rester sur ce board là et juste utiliser ça pour faire un link Ribo. Comme ça, j'ai un set, tu vois, genre ça reste dangereux. Ouais, c'est vrai que j'ai plus la rebound en défense. Donc, Et après, du coup, ça fait transcode. Effet de transcode, rebound ça et t'as ton létal, tu vois. L'inconvénient c'est que sur un Nibiru, je perds. Sur un Nibiru, tu perds. Yes. C'est moi, c'est ça vraiment mon problème. Ok, ouais, j'entends l'idée. C'est que. Comment je peux me démerder? Oh. Je vais spé Yari, ma main. Ok. Je vais faire les Feyari. Ouais. Tribute. Picari, tuto Gacheli. Ok. Là, c'est le bon play. Spegachiri. Ok, donc en annulant les effets de Yari. Ok, ça marche. Et donc là, je vais faire 1 et 1, 4. Ouais. Et ouais. Access code. Effet access code sur. Effet Gachiri sur access code. Effet access code sur brouilleur. Ok. Et pas effet brouilleur du coup? Effet Gachiri, effet brouilleur, effet transcode en dernier. Donc effet chaining 1, ouais. Chaining 2, target transcode, effet access code et target brouilleur. Ça marche. Du coup, je vais utiliser effet access code pour péter ton Gilazor. Ouais. Je vais utiliser pour péter ta set. Crescendo. Yes, et passer en battle. Ouais. Et dans tous les cas, même si je mets des Nibiru tout de suite, le access code est insensible. Ouais. Et si je mets des Nibiru en fin de main phase, on serait toujours en main phase. Par contre, je pense vraiment que tu pouvais. Une fois que j'ai déclaré mes. Non, tu ne pouvais pas en fait avec access code bloqué. Ouais. Et il est inaffecté. Donc on reste en main phase. Tu mets des Nibiru, tu tapais deux fois dans tous les cas. Moi, je me disais, ok, si je fais le Gachiri access code, il peut. Le chain, mais non, vu que si je bloque avec access code en dernier. Ouais, tu bloques, tu fais tes chaînes de l'autre côté. Au début, je pensais faire la lien 6. Ok. Avec brouilleur, pour taper deux fois, mais elle est inaffectée. Et j'avais la rebound en fait pour template, donc du coup, ça faisait l'étal. Ok, ça marche. Ok. Bon, dans tous les cas, j'avais pas une mauvaise main, mais c'était une main de Go 1. Parce que j'avais deux fossiles dig. C'était une main de Go 1 qui mourait sur pas grand chose. Vu que ta deuxième norme, c'est un ferré, tu veux pas une norme Gersou. Exactement. Exactement. Bon, GG. GG à toi aussi.